Une éducatrice du français remet la clé du monde à chaque élève. Nous voudrons vous féliciter. Il me donne beaucoup d'inspiration et beaucoup, beaucoup d'envie de me développer. Je vous admire beaucoup. Et quand j'ai fait des erreurs, elle m'encourage. Et gentil. Vraiment incroyable. Je vous souhaite de rester positive. Et à ne pas perdre le sourire avec lequel nous rendons heureux à chaque leçon. Il est tombé en classe. Et c'était comment? Mais c'est dès qu'il est tombé. Il est venu nous faire rire. C'est là où moi j'ai commencé à l'aimer. Nous savons bien que travailler à distance est assez difficile. Cela demande beaucoup d'efforts à un bon timing. Merci d'avoir travaillé si dur, malgré toutes les difficultés. Nous voulons que vous soyez en pleine santé pendant ces temps difficiles. Nous voudrons prendre la place de notre professeur pendant une journée. Nous croyons que cela ouvrirait les yeux à beaucoup d'étudiants. Quand il parle, ses articulations, oui, et sa manière de bouger, oui, ça aidait à remonter entre le passé à la tête. Il avait une expression très caractéristique. Les élèves disaient bon après-midi, monsieur. Il allait dire non, on dit bonjour. Un professeur médiocre parle. Un bon enseignant explique. Un excellent enseignant démontre. Et un très grand enseignant inspire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, j'aimerais bien devenir professeur de français.